Boker Tov, Boker Or, Hanouka Sameach. Nous sommes aujourd'hui donc le dernier jour de Hanouka, qui se nomme également le Zot Hanouka. Vous l'avez remarqué certainement ce matin, le mot Zot Hanouka a été indiqué dans la conclusion des différents korbanot approchés par les Nessi'im, les chefs de tribu, lors de l'inauguration du Mizbeah. C'est noté dans la Halakha comme cela. Hanouka, Vayom Hashemini, Min Hashemen, ce qu'il reste, le huitième jour de l'huile de la fête de Hanouka. Il faut lui faire un foyer pour la brûler elle-même individuellement. Parce qu'elle a été réservée à la mitzvah de Hanouka. Ce n'est pas nécessaire d'avoir 60 fois plus que cette quantité d'huile si elle a été mélangée à d'autres huiles. Mais c'est important de ne pas l'utiliser pour autre chose. De quelle huile parle-t-on? On ne parle pas, bien évidemment, de la bouteille d'huile qui nous a servi à remplir les petites fioles tout au long de la fête. On parle, selon certains avis, de l'huile qui est restée de la quantité que j'ai mise dans la fiole pour la demi-heure, c'est-à-dire que j'ai mis pour la demi-heure et puis ça s'est éteint en cours de route, on ne m'a pas imposé de la rallumer, ou bien je l'ai éteinte parce que je devais sortir pour une question de sécurité et j'étais vraiment près de la fin de la demi-heure, chose qu'il ne fallait pas faire parce qu'on n'éteint pas avant la demi-heure. Cette huile-là qui est restée dans la fiole, je ne peux pas l'utiliser pour ma salade, pour autre chose, puisqu'elle a été réservée pour la mitzvah. C'est l'indication qui est donnée par les premiers avis. Les seconds avis considèrent que même si j'ai mis dans la fiole bien plus que la demi-heure, j'ai mis pour une heure et demie, deux heures, puis là j'avais le droit de l'éteindre à un moment donné parce que je voulais sortir par exemple, après la demi-heure je l'ai éteint, ce qui reste dans la fiole, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour autre chose. Quel avis suivre? Alors Halema Assez, on conseillera au moment d'allumer les bougies de penser à ne pas destiner l'huile qui restera au fond de la coupe pour la mitzvah. On pensera à destiner cette huile-là pour une autre utilisation, en sachant que la demi-heure est déjà écoulée et que la mitzvah a déjà été faite. Qu'est-ce qu'on fait de ces huiles? On fait un petit foyer, on les brûle avec une petite mèche, bien évidemment, parce que sinon ça ne va pas s'enflammer. Et les mèches, beaucoup ont pris l'habitude de les garder jusqu'au feu de Pessah, d'autres font un feu individuel maintenant, aujourd'hui, pour les brûler. Ce qui est sûr et certain, c'est que le jour de Hanouka, le huitième jour dans lequel ces différentes fêtes sont organisées, pour brûler les mèches et les huiles, est un jour dans lequel il y a également beaucoup de ségoulottes, notamment de placer un petit papier avec la demande que l'on souhaite adresser à Akadosh Baruch Hu, suivi de Minametzar Karatika, Ananiba Mehavka, je le dis parce que c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. On le place dans la boîte de la Hanoukia, on l'oublie, et on espère que tout au long de l'année, Akadosh Baruch Hu écoutera nos tfilotes, et particulièrement la tfila qui a été notée sur ce petit papier, que l'on découvrira uniquement l'année suivante lorsqu'on ouvrira la boîte pour préparer la Hanoukia pour l'année prochaine. Le Primtiyuk.